D'accord. Le vin est permis dans quoi? Lili, la zone Kaïsko, la zone Pisaï. Voilà, on est là avec Alpha Bilomba. Dès que je quitte ici, c'est la fête de Suisse. Ouais, c'est Nas 14. La date de vacances. Moutou Azali, qui est Dubaï, tu es boy. Amémi, tu es boy à Dubaï. Tu vas à l'obake, Azani Mbongo. Mais ça, c'est pas vrai ça. Alpha, Bilomba, on va retirer 1 000 essence. Bilomba, on va retirer 1 000 essence. Donc c'est ça. Allez, mais, je finis seulement de fumer. Ouais. Je te préfère que j'en chante. Narcisse, mon ami est là. C'est vraiment un peu partie de ma famille. 17 ans, Ayas. Non, il n'y a pas la maman qui n'a pas de vie. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là à la fête? C'est bon, je vais profiter avec les amis. Alors, qu'est-ce que vous direz à ceux qui sont restés là-bas de l'autre côté? Oui, ben, je dirais là. Je vais donner à toi, parce que nous sommes là et qu'ils sont absents. Donc, je ne sais pas si je suis là. C'est un bon cadre, on est bien accueilli. Merci. Alors tu suivrais tout ça sur nas4tv.com, sur YouTube et sur notre site de Narcisse Kalamba Babyface. Je suis au sel et vin rouge ici. C'est que toi, on vous voit ici, là, on est où? Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous pouvez dire quelque chose? On est venu pour des verres, on est venu pour des verres avec nos amis suisses. Ouais. Et ils nous ont fait l'honneur de nous inviter chez eux à l'occasion de la fête nationale. Et moi, je viens ici parmi tous ceux de compatriotes qui ont été en Suisse pendant longtemps. Voilà, on est là, on prend un verre. Merci, c'était Nas4 TV pour les Suisses à Lausanne. Merci, bye bye, voilà. Bonne fête. Merci. Voilà, madame Tomonio Awa, Tozaliwapi Awa, Ozalanini Awa. Bonsoir papa. Les amis pour Nas4 TV à Suisse. Quoi. Ah d'accord. Bonsoir papa. Bonsoir à Nas4 TV à Suisse. Ma maman est Jakita. Alors tout ça, on a quatre de la face. Alors, soyez pour fêter le 1er août les salons du samedi, mais les robes à fêter en haut, comme est tombé vendredi, le 31 juillet vendredi, on va soyez pour la fête, il y a plus au Banamboka, il y a moi, soyez pour fêter en haut, en tout cas, pour comment la vie, on va pas se mêler, c'est un bon ami, c'est pour les capitaux, donc, on va salir, on y a pas ça, on va faire. Merci. Bon, Tomonio Awa, papa, aujourd'hui, c'est Samsonini, Awa, Ozawa, puis qu'est-ce qu'il fait ici? Là, c'est Maître Sac. Alors, la date est à ce jour, la vidéo. Je suis prêt à profiter.
voilà, la Kinshasa, voilà. Ambassade à Suisse, la Kinshasa. Alors, on a déterminé la Kinshasa, ambassade à Suisse, la Kinshasa. Alors, pour la fête nationale, alors. Merci beaucoup. Tomoni Awa, doyen, soit Tozali la doyen, Yaba Suisse Awa, Tozali Wapi, Ozo Sabiso Nini. Non mais, il dit qu'on va faire le moni à la petite Willy, qu'elle a commis mon temps boîte à boîte. La vraie boîte, elle est là, maman. Mais, vous connaissez ça, Nini, pour la balade, il y en a sorti vive, Tozali Wapi Awa. Ah, tu as l'ambassade à Kinshasa. Tu es collé à Tabaté. Mais la viande séchée de bison. Bon, ça, ben l'ambassade, on va parler. On ok. Sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, estimés membres du corps diplomatique, consulaire et des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue dans les jardins de cette ambassade à l'occasion de la célébration anticipée de la fête nationale suisse. Étant donné que vous avez eu l'occasion en ces mois de juin et juillet d'écouter de nombreux discours, vous ne m'en voudrez pas si je m'abstiens ce soir de disserter trop longuement sur les bienfaits et méfaits de la démocratie. Il y a 724 ans, sur la prairie du Grütli, Werner Stauffacher, Walter Fürst et Arnold von Mechthal ont passé les fondations sur lesquelles s'est construite la Suisse moderne. Inutile de vous dire qu'avant de connaître la prospérité, la Suisse a elle aussi connu des époques turbulentes qui ont marqué son histoire. Ce ne sont pas 55 ans, mais bien 5 siècles qui se sont même écoulés jusqu'à la création de l'État fédéral en 1848, après une brève guerre civile entre cantons catholiques et cantons protestants.
Aujourd'hui, la Suisse est un État démocratique avec une société ouverte sur l'extérieur, un pays solidaire avec le monde. Et si Didier... Nous essayons de les surmonter sans recourir à la force des armes, comme c'est hélas encore le cas dans de trop nombreux pays. Nous pouvons légitimement être fiers de ce que la Suisse est devenue. Ce qui est remarquable, c'est le fait que nous ayons réussi tous ensemble, à partir de nos origines paysannes et de nos divergences culturelles, à construire un État moderne et démocratique. Un havre de paix pour les uns, un lieu de refuge pour les autres, un abri pour celles et ceux qui, chez eux, ont été ou sont menacés. Nonobstant, nous vivons aujourd'hui une nouvelle dimension historique qui change nos perceptions et nos identités. Le monde se globalise chaque jour davantage, tout devient plus indépendant. Ce qui se passe dans un endroit du monde a des conséquences ailleurs. Notre monde est en plein changement. De nombreuses crises, évolutions et révolutions sont en cours. Les équilibres changent, des failles apparaissent, des territoires montent ou s'affaissent, le sol tremble ici, là, des ruptures parfois violentes secouent et façonnent le paysage. La géopolitique et l'économie mondiale semblent être prises dans un mouvement tectonique accéléré qui modèle les nouveaux contours du monde, un monde différent et plus complexe encore que celui que nous avons connu jusqu'ici. L'Europe elle-même est frappée par l'instabilité. Même au cœur de la Suisse prospère, il y a trop de personnes qui vivent avec difficulté. Les conditions de travail deviennent de plus en plus flexibles, parfois précaires. Le fossé entre bas et hauts revenus s'élargit. Or, nous savons qu'une économie forte et durable ne peut laisser une partie de la population en marge, car ce dont nous avons besoin, c'est d'égalité des chances pour tous. Aussi, les défis sont nombreux pour la Suisse, pays indépendant et souverain, qui n'est membre d'aucune alliance. Mais c'est sans doute aussi cette fibre indépendantiste qui caractérise aujourd'hui encore mes compatriotes, qui a probablement fait qu'au temps de la décolonisation, les Suisses ont eu une sympathie profonde pour la création d'États indépendants en Afrique et en Asie. Pour tous Suisses, la logique et l'équité voulaient que les Africains et les Asiatiques jouissent de la même liberté et de la même indépendance que celle dont mon pays jouissait depuis longtemps. Il n'est dès lors pas surprenant que la Suisse ait été parmi les premiers États à reconnaître le Congo indépendant en 1960. Présente à Léopoldville depuis 1928 avec un consulat, rehaussée en consulat général en 1958, la Suisse a ouvert une ambassade à Kinshasa en 1962. Aujourd'hui, les relations entre la Suisse et la République démocratique du Congo sont non seulement bonnes et amicales, mais la Suisse a renforcé ces dernières années ses activités dans trois domaines distincts, à savoir la coopération au développement, l'aide humanitaire, et la politique de paix et sécurité humaine, notre but étant de soutenir le pays dans ses efforts pour créer de la prospérité ainsi que du bien-être. Certes, la Suisse n'a pas la prétention de pouvoir résoudre les immenses défis auxquels est confrontée la RDC, mais nous devons croire que notre modeste contribution servira à favoriser le dialogue et à atténuer les disparités économiques et sociales dans ce magnifique pays qui reste une des terres les plus hospitalières d'Afrique, et où certainement tous les espoirs sont permis. Aussi, je reste convaincu que la RDC, qui partage de nombreuses similitudes avec la Suisse par son pluralisme culturel et linguistique, deux caractéristiques, certes difficiles à conjuguer, saura construire une démocratie dans laquelle chaque citoyen trouve sa place et peut revendiquer le respect de ses droits fondamentaux, à commencer par le droit à la vie, à l'éducation, à la santé et à la sécurité pour lui-même et sa famille. La RDC a suffisamment de ressources humaines et naturelles pour bâtir un pays qui soit non seulement plus beau qu'avant, mais qui soit aussi un havre de paix pour tous les citoyens. Si vous m'accordez encore un peu de temps, je voudrais aussi profiter de ce moment pour souhaiter à mes compatriotes la bienvenue dans les jardins de cette ambassade. Votre présence en ce jour de fête nationale me démontre,
chers compatriotes, votre attachement à votre pays d'origine. Je tiens à vous en remercier et vous souhaite une excellente soirée. Liebe Mitbürger und Bürgerinnen, ich möchte Sie herzlich im Garten vor der Botschaft willkommen heißen. Ich erwiese heute, an unserem 1. August, zeigt mir, dass Sie Ihre Heimat nicht vergessen haben. Ich danke Ihnen dafür und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Cari compatrioti, vi do il più cordiale benvenuto nei giardini dell'ambasciata. La vostra presenza in questo giorno di festa nazionale mi dimostra il vostro attaccamento alla Svizzera. Tengo dunque a ringraziarvi e approfitto di questa occasione per augurarvi una buona festa. Je souhaiterais également remercier la Société Mestre qui, une fois encore, nous a aidés par sa générosité à organiser cette manifestation. Mes remerciements s'adressent également au Kepinski Hotel Fleuve Congo et en particulier à son directeur général, M. Philippe de Meyer, pour son important appui. Mes remerciements vont également à mes collaborateurs, à nos employés et à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont œuvré à la préparation de cette fête. Avant de vous inviter à partager le buffet du Kepinski Hotel Fleuve Congo, comprenant quelques spécialités suisses, je souhaite porter un toast à la RDC et à la Suisse. Comme chaque fois, bien entendu, je n'ai pas de verre. Pardon, ça arrive. Je vous souhaite à tous et à tous une agréable soirée. Que vive la RDC, que vive la Suisse, je vous en remercie.
Voilà, Ninja, qu'est-ce que tu envoies comme message? Vas-y. Maman Fifi, je t'attends, Fifi, Mikemi. Je t'attends à Kinshasa. Tu peux venir quand tu veux. S'il te plaît, viens, viens. Il y a tellement de choses qui vont nous changer ici. Il faut venir voir et il faut quand même que tu viennes pour te rendre compte de la réalité. Tu me vois, moi, je suis bien. Je suis un bon Brésilien. Voilà, c'est Nation TV, nous sommes à l'ambassade de Je suis avec Kinshasa. La fête nationale. Maintenant, on est à Kinshasa, à l'ambassade de Suisse. Alors, du plan, c'est pour madame et le monsieur. En tout cas, Fifi, moi, je t'attends. Il faut venir. Viens.